Salut les amis, c'est Woody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est de retour dans notre fabuleuse aventure sur Ghost of Tsushima. Et j'ai envie de vous dire les amis, un The Bardet. Regardez-moi ça comment c'est beau, franchement. On est peut-être dans un territoire ennemi, mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Bah, pas si vite mon bidet. Parce qu'il y a un kilomètre à faire là. Qu'est-ce que tu veux, petit oiseau? Ah. Oui, ça a marché, mais... Bon, tu veux l'escalade? Il monte jusque là. Bon, bon ça c'est un peu con. J'ai peut-être moins d'air tenter le jump là. Bon laisse tomber. du coup pourquoi ils disent qu'il y a des mondes dessous? Le problème c'est qu'ils sont forts, j'ai pas envie de me battre. Déjà avec une flèche dans la tête ça leur fait rien. Non, tu me vois pas. Je suis un arbre. Déjà mec, ouais, je sais même pas comment les attaquer en fait. Tu vois le auto, ouais. Déjà, il va falloir mettre une flèche, c'est impossible. Ah bah cachez-vous, bah je suis caché. Ah, d'accord, il y a des aigles. Sale traître! Je suis. Ils m'ont vu. Bon, c'est cool. Ouais, quoi, ils ont des catapultes. Oh, hein, je suis stun. Oh, mais vraiment bien ce monde-là. Wow. Alors, on peut se battre équitablement, parce que là, franchement, c'est cause du lire. Bon. Oh. Ah, Benjoui, c'est qui Benjoui? Mais ouais, mais c'est abusé là. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc? Ouais, bah je reviendrai avec des copains. Fuyons! Oh, en plus, oh, mais il brandit pas son arc, il fait rien, mais ouais, bah t'as raison, meurs, voilà. C'est mérité. Arrêtez, je suis déjà mort! Oh, ça commence super mal. Bon, mais on peut rien faire ici. Ah, l'émission principale, on se fait défoncer et le petit territoire, c'est mort. Bon bah les Mongols, gardez votre île, vous avez gagné. Le jeu devrait indiquer, hein, n'allez pas sur cette île, vous allez vous faire défoncer, revenez un peu plus tard dans l'histoire, vous avez pas le niveau. Parce que là franchement, waouh. Ne pense pas que tu es seul au monde. Si tu as besoin de conseils, le clan Adachi pourra t'aider. Le clan Adachi est mort. J'ai tenté de les sauver. Asako, vous ne devez pas vous en vouloir. Ouais, ça fait un petit peu peur votre truc là. Ça sert à rien l'oiseau, je te suis pas, tu m'as conduit à la mort. Je
peux faire confiance sur mon petit bidet. Dans le bruit, tu m'as conduit à destination, il y a quoi? Oh, un tapis. Les larmes ruissellent. La mousse trop souvent s'attache. Enfin vient la paix. Mais quel poète! C'était beau. T'es suicidaire, toi. Oh, bah t'es juste... excuse-moi. Je pensais que ta chute était moins pire. Quoi, faut même inspecter les... Les carcasses? Dis-moi, Jin, quelle doit être la qualité première d'un samouraï? Se comporter en homme et se battre pour la prospérité du clan Sakai. Ce sont là les paroles de ton père. Que signifie l'honneur pour toi? C'est être juste. Se battre pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tel est le vrai sens de l'honneur. Seigneur Shimura. Je comprends rien du tout. Encore l'histoire. Bon, bah c'est normal, c'est fait exprès. Mais alors là, les trucs secondaires qu'on croise dans la nature. Mystère. Fallait pas quitter notre petite île, hein, si t'as le mal du pays. Bientôt, on va parler d'une plante. Ah, papa. Je me rappelle, je t'ai vu marcher une fois sur ce pissenlit. Ah, parle-le lui. Jin de Yarikawa. Je ne pensais pas te revoir. Je me permets, j'ai su mes pieds. Que s'est-il passé? J'avais des amis dans cette ferme. J'espérais qu'ils se joignent à nous. Mais ces ordures de Mongols m'ont devancé. Le moins qu'on puisse faire, c'est les enterrer. Je ferai vite. Je vais t'aider. Non, tu n'as pas à faire ça. Je sais. Mais je le veux. Alors, prends une pelle. Qu'ils trouvent la paix dans leur prochaine vie. Je ne te pensais pas du genre religieux. Je suis plein de surprises. Tu as dit que tu me mènerais peut-être à ton groupe. As-tu pris une décision? Ça dépend. Le poison de l'aigle t'affecte toujours? Oui. Mais il ne m'affaiblit pas. Mène-moi à ta bande d'amis pirates, et je te prouverai que je peux me défendre. Très bien, samouraï. Nous avons du chemin à parcourir. Ne lambine pas. Où est-ce que tu m'emmènes? À une ancienne forteresse pirate. On l'utilisait pour échapper aux samouraïs. Aujourd'hui, elle nous protège des Mongols.
Tu n'as pas peur de conduire un samouraï à votre repère secret? Bien sûr que si. Mais on a besoin de toutes les armes disponibles. Sois prudent quand on sera là-bas. Depuis l'invasion des Sakai, les samouraïs sont encore moins appréciés que des serpents vives. L'invasion des Sakai? Le fléau d'Iki et sa bande croyaient pouvoir restaurer l'ordre et la loi sur notre île. Dans leur rêve. Mais on a quand même perdu beaucoup de monde. À ce qu'on m'a dit, aucun camp n'était innocent. On pourrait dire ça. Je n'ai jamais vu de guerre naïve. Il y a un accès caché à la forteresse un peu plus loin. Des Mongols. Ils ont trouvé l'entrée. Voyons ce que tu sais faire avec cette lame, samouraï. Oh bah je t'avoue contre eux, rien du tout. Venez donc vous battre. Je suis plutôt une victime. Je préférais mes tout premiers Mongols. Non mais tu m'auras pas à la fin, hein. Je suis pas con à ce point, tu sais. Non mais ils sont cons. Regardez Tenzo! Oh, c'est pas grave lui. Mais, oh mais, tu triches toi! Hé, tu veux tricher? Voilà. Moi, faut pas me donner de kunai parce que moi je joue que ça. Je suis bloqué! À dire que normalement ça, c'est les one shot la parade parfaite. Non. Je me permets, je prends les archers. Oh, oh c'est pour des arcs que toi. Un gosse pour les gaulasses, quoi. Pour les lances. Attends, je t'aide. Ok. Kunai. Ouais. Tu vois, un coup de pied. Encore te battre. C'est bon, ça. Je vais le faire tout le temps. Oh, des kunai, la balle. Nous n'entrerons pas par là. C'est signé Fune. Si un étranger nous repère, on bloque les entrées et on tue les témoins. Sans aucune exception. J'espère qu'elle est plus accueillante avec les invités. On le saura bien assez tôt. Connais-tu un autre accès? Oui, par la mer. Il y avait un chemin autrefois. Je ne l'ai jamais vu. J'ignore s'il existe encore. Ça vaut le coup d'essayer. Combien de samouraïs cet homme a-t-il tué? Te rappelles-tu le serviteur de ton père? Sa gorge fut tranchée dans son sommeil. Son sang déversé dans ta tente. Silence! Jin, tout va bien? Oui. J'entends parfois la voix de l'aigle. Tu veux dire qu'elle peut lire dans ton esprit? Non. J'entends mes pensées. Des choses que je pense malgré moi, avec sa voix. Espérons qu'elle se taise. Je comprends pourquoi les samouraïs n'avaient pas trouvé ce repère. La seule forteresse d'Iki qui ait survécu à l'invasion des Sakai. Espérons qu'elle résiste aux Mongols. On ne passera pas. Trace ta propre voie. Les samouraïs disent toujours ce genre de truc. Les pirates commandent-ils tout? Seulement les plus malins. Pas mal. Ce truc pourrait m'être utile. Un grand forgeron de Tsushima me l'a offert. Allez à Tsushima? Non, merci. Simple contretemps. Cherche un autre chemin. Oh. Je le vois bien. Qu'est-ce qu'elle a déjà là? J'avais jamais vu un samouraï
Libre à toi de me suivre. Eh ouais, mon gars. Oh, bah non, ça va pas. Tout roule. J'ai juste le corps tout cassé. Faut la refaire ou pas, ça? Simple contretemps. Cherche un autre chemin. Bon bah, on va essayer de pas tomber. Hein. Libre à toi de me suivre. Vite. Mais non, ouais, mais il fait rien. Bon. Tout va bien ? Ça va. Du cul. Ne meurs pas. Ben voilà. Pas mal. Les ordures. Ils s'attaquent à l'un de nos bateaux. Ah, attends, ouais. Des amis à toi ? Amis, peut-être pas. Je t'avais prévenu, ils ont des catapultes et tout, c'est des fous. C'est le quatrième bateau qu'on perd face au vaisseau de l'aigle. Je trouverai la sortie. Comment t'es-tu allié à Fune ? On a séjourné ensemble. Tu parles du fort, Sakai. Repas abject. Mais on a dû repartir avec nos têtes. D'autres clients. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je me permets. Je prends ton stock. On y est presque. Ils t'attirent dans un repère d'assassins. Ils te tueront. Exactement comme ils ont tué ton père. Une fois cette porte franchie, on ne peut plus reculer. Je serai responsable de tes actes. Ne me le fais pas regretter, samouraï. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Tenzo. Je te le promets. Bien. Continue comme ça, et ça ira. Reste près de moi. Ne sors pas ton sabre. Et laisse-moi m'occuper de tout. Oui, dans les dialogues, vaut mieux ça jouer cool. C'est pas que j'ai peur, mais on sait-on jamais. Allons-y. Tenzo, te revoilà. Tu amènes un samouraï ici? Attends un peu que Fune la prenne. Je lui dirai moi-même. Retournez à vos postes. J'étais à l'œil. Ouais, c'est ça. Déjà, fais-moi un bisou. S'il te plaît. Allons trouver Fune. Convainc-la et les loups reculeront. Et dans le cas contraire? Je l'ai vu attacher des hommes pour qu'ils se noient à marée haute. Ou même pendre un traître à son mât pour que les mouettes le dévorent. Agarre-moi pas de travers, toi! Ce qu'elle ferait à un samouraï. Ces personnes. D'autres victimes du poison de l'aigle. Elles n'ont pas eu ta chance. Tenzo, tu n'as bientôt plus de linge propre. Dans les tiroirs. Tu peux prendre une chemise. Suis-moi, Jin. Fune attend. Ils sont chez toi? Il leur fallait un toit. C'est Fune. Elle nous observe depuis son perchoir. Tenzo, viens ici tout de suite. J'arrive, Fune. N'oublie pas. Pas de vagues. Et ne va pas jouer les samouraïs. Très bien. Ravi de te revoir, Tenzo. Je peux vous expliquer. Tu as intérêt, parce que je suis très curieuse de savoir pourquoi tu ramènes un samouraï chez moi. Vous m'avez envoyé chercher des combattants. Pour nous venir en aide, pas pour nous affronter. Si je voulais vous affronter, vous le sauriez déjà. Jin. Détends-toi, Tenzo. C'est amusant de voir ce samouraï creuser sa propre tombe. Je suis là car les Mongols sont également venus chez moi. Et si l'aigle n'est pas arrêtée sur vos côtes, elle amènera son armée et son poison sur Tsushima. Je sais que nous pouvons vaincre l'aigle et sauver nos deux îles, mais nous devons allier nos forces.
C'est toi qui l'as trouvé, Tenzo. Quel est ton avis? Il pourrait nous aider. Ou finir empalé au bout d'une lance mongole. Et vous pourrez dire qu'un samouraï de plus est mort sur l'île d'Iki. Dans les deux cas, nous n'avons rien à perdre. C'est d'accord, samouraï. J'espère que tu n'as pas le mal de mer. À la prochaine tempête, nous attaquerons ce vaisseau de guerre mongol avec tous les navires de cette crique. Faites cela et vous perdrez la moitié de vos hommes. Faites-moi monter à bord de ce bateau, et je le coulerai pour vous. Tenzo, allez, ôte cet imbécile de ma vue. Je crois que Jin n'a pas tort. On ne peut pas s'approcher pour aborder le vaisseau de guerre. Mais un bateau mongol le ravitaille régulièrement depuis Iki. Si on réquisitionne ce bateau, c'est nous qui assurerons la livraison. Tenzo, si tu crois que ça peut marcher, alors tu t'en occupes. Il me faut une dizaine d'hommes. Jin peut en faire partie. Accordé. Le bateau de ravitaillement mouille au nord-est de l'île. Cherche une petite crique et des falaises abruptes. Je t'y retrouverai. Fune, ça fut un plaisir. Ne me fais pas regretter ma décision. Ouais. Pour un chef, c'est pas terrible. Ouais. Plus de projectiles, tant mieux. On aime bien les conneries. Excusez-moi, j'ai envie de descendre. Poussez-vous. What? Pourquoi vouloir se relever? Tu cherches la rédemption? Tu ne la trouveras pas ici. Sortez ma tête, madame, y'en a marre! Un grand gaillard comme toi aura besoin d'une armure robuste. Oui, pourquoi pas. Bon. Mon chef-d'œuvre. Je suis pas fan de l'apparence. Ah non, j'aime pas. Ouais, mais non, moi j'aime pas l'apparence comme ça, ça fait chez beau. On peut pas mettre un bandeau ou quoi, je sais pas. Moi. Oh bah c'est ça le bandeau que j'ai gagné, va le bazar. Ah mais je perds mes bonus en fait, non? Voilà les améliorations. Où est mon armure de base? Ah ok, il fallait juste appuyer sur triangle. Je peux pas le perdre. Bon, tant pis. Allez, on l'a amélioré pour rien. Moi, j'aime pas. Ça fait trop gros. Enfin, bref. Du coup, on doit aller où? Du coup, il y a que celle-là comme mission. Non, c'est là-bas. On va être dus. Oh, en plus, par où on sort. Bon, je vous avoue, les quêtes secondaires. Je m'en fous un petit peu. Je suis pressé de retourner sur l'île principale. Ouais, c'est bien, ils mettent des points, mais. Elle nous sortit! Telle était l'extrême cruauté de Riku la Manoir. Non!
Je veux sortir. Quoi? Quoi ça? Ah, quitter le refuge. Tu es un bon cheval, Nobu. Ok, maintenant on parle. Ouais, elle est buggée. Rien à dire, hein. C'est beau comme région, mais c'est vachement dur. Hein. Je sais pas, le jeu il est monté d'un coup. Wow. Alors ça, je suis pressé de retourner avec mes petits mongols. On est bien, on s'amuse, on se tape. Y a pas de problème. Puis mon oncle, il me manque. J'ai envie de le revoir. Ah, ça sert à rien les oiseaux. C'est derrière tous. Ah, mais là, il y a carrément le château. Là. Ah, est-ce qu'il y a un chemin par là? C'est con qu'il n'y a pas... genre de pilote automatique, là, comme dans... Red Dead. C'est marrant, ça. Si ça m'intéresse pas, vous pouvez garder les otages. Bisous. Ah, désolé, messieurs. Pas trop bien. Quoi, s'ils s'en mettent? Ah, c'est mon bédé, on peut le faire. Fonce dans le tome, tu vois. Bidé contre bidé. Ah, botte de nul. Ils sont partout. En fait, le château qu'on a vu là, sur la carte, c'est là on s'est fait kidnapper. On les dévole. Ça va mon BD? Ah, oh, je suis désolé. Allons-y, Nobu. C'était un raccourci. Que se balader dans cet épisode-là. Où est Tenzo? Aux falaises. Il parle à un ami. Excellent cette blague! J'adore, franchement! Car qu'ils sont bêtes. Ah, t'es parlé de quelle falaise? Encore des mensonges mongols. L'aigle dit la vérité. Tu comptes me faire attendre, Jin? La prochaine fois, ne tue pas si vite ton ennemi. Il peut savoir des choses utiles. Il en a assez dit. Tu as dit qu'il mentait. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Rien qui ne puisse attendre.
Il ne devrait plus tarder. Une fois là, tes hommes devront agir dans le calme. S'il est trop endommagé, le vaisseau de guerre de l'Aigle nous démasquera avant qu'on soit assez proche pour l'attaquer. Ne t'en fais pas, Jin de Yarikawa. Le bateau de ravitaillement restera intact. Va te reposer. Il va bientôt arriver. C'est l'heure. Ils sont venus en barque. On les empruntera pour atteindre le bateau. La brume nous facilitera la tâche. S'ils nous voient arriver, ils risquent d'avoir peur. Tout le monde en place. Le poison de l'aigle est toujours en toi ? Je serai concentré, si c'est là ta question. D'accord. Mais tu as dit que tu voyais des choses. Des choses que j'aimerais oublier. Comme des taches de sang sur ton hakama de soie préféré ? Un peu plus grave que cela. Très bien. Dis-moi, quelle est la pire chose qui soit arrivée à Jin de Yarikawa ? J'ai perdu mon père. Nous combattions côte à côte. Je suis désolé. Ce n'est rien. Tu ne savais pas. Bah pour la peine, je t'aime pas. En soi, je t'aime même pas non plus. C'est... Le mec, je sais pas, il se la raconte. Il est trop supérieur, non mais... pour le tout. Ouais, t'as vu ça hein. Rapide et sanglant, oui, peut-être. Attends, mon trottine, hop. Ah, ils ont l'air normal, ces mongols-là. Pourquoi ils ont une bulle autour d'eux? C'est le chaman qui fait ça? Oh. Oh! T'es un méchant garçon! Bon, moi je prends les archers. Occupe-t'en, on attire trop l'attention. Oh, mais y'a trop de monde là! J'arrive pas dû avancer. Il est où, chaman? Ah bah, il est là. Pas toi! Oh, à tutti! Oh, les golosses, hein. Viens ici. Eh. Ah, de t'enfuir. Oh, comment je tue, toi? Gros nul. Oh. J'ai rigolé. Non, j'ai rigolé. Je les connais pas, ces mecs. La côte est à nous. Parez les barques. Bon sang, le brouillard se lève. Ils vont nous repérer. Oh. Ok, cours. On rentre. Non, je peux faire le tour. Neutraliser leurs armes. Tu vas te faire mettre en pièces. Va, Jin. Montre-nous ce qu'un samouraï sait faire. Gare à leur tir. Ouais. Cours, 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 en sérisme. Sacré missile. Les pirates savent qu'ils... Ah, mais elle est chiante, elle. Hein. Réel. À ta mort, les pirates feront-ils pour toi cette prière qu'ils ont prononcée avant de tuer ton père? Si ça se trouve, elle est vraiment là pour nous aider, là. Qui est-elle déjà? Je pense pas. Ah, si, on peut faire quand même. Ils te hantent. Que ta mort profite à tous les êtres. Taisez-vous! Taisez-vous ou je claque ma tête contre un mur. Ça va, on dirait que c'est que des petits bonhommes.
ou des archers. Ça devrait le faire. Tel un ninja. C'était pour Sony. Tu me butes. Eh bien là, Ronaldo. Bonjour. Ouais, j'ai réveillé. Hein? Ouais. J'ai dit, tu prends ton connerie. Mais je peux même pas les contrer. Oh oh. Et on a récupéré des coups de knife. Bande de nuls des archers. Bon, ça c'est plein. Bah, oh bah non. Qui méprise le nom de ton père. Quand il est mort, étais-tu trop faible pour le sauver? Ce n'était pas ma faute! Puis papa, il était méchant, c'est parce qu'il était sous. Ah, ça n'a rien à voir. Ça arrive à tout le monde de boire un petit coup. Ah, le merde, cette madame. Ah, bon, en fait, c'est possible. J'étais même pas obligé de les tuer en fait. Non, tu m'as pas vu. Si je te vois pas, tu me vois pas. Coucou. Raté ta flèche, espèce de nul. Eh, essaie de pas m'avoir par surprise. Je rigolais. J'adore les funailles. Alors, y'a quoi de boussi? Les provisions. T'as pas vu. Voilà mon petit gars. Est-ce que ça va être péteux ça? Attends, faut peut-être mettre des flèches au sol là. Vous avez eu arrière cette année. Il t'en a fallu du temps pour faire taire ces canons. J'ai cru que tu avais besoin de reprendre ton souffle. Trop aimable. Je peux savoir ce qui t'arrive? Un instant, nous combattons côte à côte. Le suivant, tu es prêt à croiser le fer? Pas maintenant, samouraï. Nous avons du travail. Alors finissons-en et discutons. Cap sur le vaisseau de guerre de l'Aigle. Espérons juste qu'il ne remarque pas que l'équipage a changé. L'espoir ne suffit pas. Dis à tes hommes de se cacher à l'approche du vaisseau de guerre. Un bateau vide. Ce n'est pas suspect du tout. Ce sera suffisant pour nous approcher, sans craindre leur artillerie lourde. Nous attendrons qu'ils abordent. Et nous attaquerons. Mettrons le feu à leur stock de poudre. Et ouvrirons le ventre de la bête. J'espère que tu sais ce que tu fais.
Je le voyais moins grand. On est repérés. Il faut qu'on les attaque maintenant. Pas encore. Attends. Maintenant! Envoyez ces ordres. Genre, oh, ils étaient super bien cachés. Eh hey, monsieur, je suis ici, je suis caché. Tu me vois pas, bien sûr. Avance. Bon, hop. Oh, je suis déjà pour. Oh, t'as raison. Moi j'avance, hein. Oh, il y a plein de monde. Wow. Espèce de nul. Ah, la caméra, c'est toujours un problème. Hein. Oh. Toi, t'es un petit coquin, toi. Ah, t'es un. Monsieur, venez. Ah, il est pas passé par du subord. Oh, faut y arriver. Oh, la caméra, s'il te plaît, avance. Tiens. Ah. C'est cool. Allez-y, les gars, je vous regarde. Oui. Ils ont barricadé la porte. Eh bien, forcez-le. Jin, il faut qu'on trouve un autre accès. C'est moi. Ouais, mais il est géant celui-là. Fais vert, monsieur, quand même. Coucou, c'est nous. Oh, il a pas voulu. Je vous le laisse. Moi je prends le mec sourdi. C'est censuré. Oh, regarde pas. Oh mais laisse-toi faire. Oui, vas-y là-bas. Attendez, il y avait quoi là? Kunai. Priorité au Kunai. Mais ça va péter! Ils sont partis par où? Ça va péter! Aujourd'hui, le refuge de Fune a frappé fort. Bientôt, nous sauverons Iki. Et un jour échapper au cycle sans fin de la souffrance. Beau travail, Tenzo. Je pense que Fune sera contente. Non. Fune va nous écorcher vif, tous les deux. Et pourquoi cela? À toi de me le dire. Seigneur Sakai, je n'aurai qu'à murmurer ton nom pour que tout le monde dans ce refuge se dispute l'honneur de te couper en deux. Dis-leur qui je suis. Oblige-moi à me défendre. C'est ce que recherche l'aigle. Que samouraï et pirate s'entretuent à nouveau. Elle sait qu'unis nous constituons une menace. Baliverne! Qui t'a dit que j'étais un Sakai? Le Mongol que tu as interrogé? L'aigle voulait que tu le découvres. Ça m'apprendra à faire confiance à un chien de samouraï. J'ai grandi ici, tu sais. J'ai appris à nager dans ces eaux. Et j'ai aidé à bâtir ces maisons.
Je me suis cassé un bras en tombant de la falaise. J'essayais d'impressionner ma femme. Tu étais marié ? Il y a longtemps. Elle est morte en couche. Fune m'a aidé à les enterrer. Ici, c'est chez moi. Et ces gens sont ma famille. Si jamais ils apprennent que j'ai ramené le fils du fléau d'Iki, ils nous exécuteront tous les deux et donneront nos cadavres aux poissons. Je ne le permettrai pas. Ceci reste entre nous. Alors qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous avons porté un grand coup à l'aigle. Nous sauverons cette île si nous restons unis. Mais ce n'est que le début du combat. Vous, les samouraïs, et vos beaux discours. Je vais dire à Fune que ton plan a marché. Je suis sûr qu'elle voudra te remercier en personne. J'en doute fortement. Sois très prudent. Et surveille tes paroles. Toi aussi, Jin de Yarikawa. Ouais. T'es chelou comme toi, t'es bipolaire, hein. Retournant de la crypte, frère. Du coup, c'est quoi après la prochaine étape? Ah, le fantôme de l'île Teki. On va prendre une force sacrée pour libérer les pirates de Fune. Alors, j'ai une alliance avec les pirates de l'île. Ok, bon bah ça les amis, ça sera dans le prochain épisode. Ainsi se clôture cet épisode, ouais je sais pas quoi en penser. En fait c'est lui là-bas, là il m'énerve, le mec chelou là. Oh, c'est quoi ça? Je reviens. Bah voilà les amis, on va s'arrêter là. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. C'était Willy, je vous fais des bisous. Ciao, ciao les amis.